J'ai toujours été très impressionnable. Aussi loin que je me rappelle, il en a toujours fallu très peu pour m'effrayer. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a jamais laissé une marque. Je vis bien aujourd'hui, mais à chaque réunion de famille, les souvenirs de cette nuit remontent. J'avais 17 ans. Mes parents venaient de divorcer, et mon père avait déménagé à l'autre bout de la ville. Ah, et ne m'en voulez pas si je ne donne ni endroit exact, ni de nom. Si je raconte tout ça, c'est avant tout pour exorciser ce souvenir. Et ce qui a suivi. Étant mineur à l'époque, j'étais donc la plupart du temps chez ma mère, et j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez lui, on passait notre temps à jouer à la console, et il me faisait conduire son Range Rover. C'était d'ailleurs marrant de voir un sigle conduite accompagnée sur un Range Rover. Ce soir-là, un vendredi, en sortant du lycée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je sortais avec des amis, et que je ne rentrerais que tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'on allait faire un bowling, mais en vérité, on était allé fumer derrière l'église. Il était déjà tard, 2 ou 3 heures du matin peut-être, quand on a décidé qu'on était assez déchirés pour la soirée. J'ai laissé mes amis derrière l'église, et je suis parti. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Il y avait un petit chemin qui coupait à travers la forêt, et qui débouchait sur le centre-ville. C'était ça, ou marcher 3 km au bord de la Nationale. J'avais l'impression de marcher depuis des heures, quand j'ai senti que j'allais vomir. Ça m'est venu d'un coup. J'ai sauté sur le bas-côté, je suis parti derrière un buisson, et j'ai tout lâché. J'avais encore la tête qui tournait, et j'ai vu des lumières. Des phares. Je me suis dit que c'était les flics, et que j'étais foutu. Mais je me suis quand même caché dans le buisson, plein de vomi. L'instinct de survie, sûrement. La voiture est passée devant moi, lentement. J'avais la tête qui tournait, et j'étais franchement défoncé. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas la police. C'était une Skoda blanche, avec une porte bleue côté passager. Elle s'est arrêtée à 10 mètres, et un homme en est sorti. J'ai pas vu à quoi il ressemblait. J'ai pas osé sortir mon visage du buisson. Il a lentement marché jusqu'au coffre et l'a ouvert. Et c'est là que tout a changé. Pour moi et ma famille. L'homme a sorti une fille, ligotée du coffre de la Skoda. Elle était inconsciente. Ou morte. Elle était petite, peut-être même qu'elle avait mon âge. Il a lâché par terre comme un sac de viande. Il s'est assis dessus et l'a frappée. Encore et encore. Des coups de poing dans le nez, la bouche, la gorge. L'homme s'est acharné sur elle. Et moi, je tremblais, les yeux grands ouverts, cachés à quelques mètres de là. Quand il s'est calmé, il a chargé la fille sur ses épaules et s'est enfoncé dans la forêt. Je savais pas quoi faire. Attendre qu'il parte ou m'enfuir en courant. Je sais pas combien de temps j'ai attendu, mais l'homme ne revenait toujours pas. Et là, je me suis dit qu'il m'observait peut-être, qu'il était à quelques mètres de moi et qu'il attendait peut-être que je bouge. J'ai senti une décharge d'adrénaline et j'ai couru vers l'opposé de la direction que cette bête humaine avait prise. Je ne savais pas où j'allais atterrir, mais ça m'était égal tant que j'étais loin d'ici. Quand je suis arrivé sur le parking du supermarché et que j'ai enfin vu les lumières du centre-ville, j'ai éclaté en sanglots et j'ai vomi. Mais pas à cause de l'herbe cette fois. Je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé à ma mère le lendemain. Elle a pourtant vu que j'étais pas bien. J'avais envie de lui dire, mais je l'ai gardé pour moi. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je devais partir chez mon père ce samedi matin, mais je n'étais vraiment pas motivé. Je savais que je devrais passer près du chemin où j'avais vu le monstre. Quand ma mère et moi sommes passés devant en voiture, mes jambes tremblaient, et j'ai bien cru que j'allais me pisser dessus. Quand je suis arrivé chez mon père, je n'avais qu'une hâte. C'était de m'enfermer chez lui. Je ne lui ai pas non plus parlé de ce que j'avais vu. On a passé le samedi devant la console, mais je n'étais pas vraiment là. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller à la plage. J'avais envie de conduire, de me changer les idées, et surtout d'aller loin. J'ai demandé les clés du Range Rover à mon père pendant qu'il préparait des sandwichs. Et je me rappellerai toujours de ces mots. Ouais, j'aurais bien voulu. Mais j'ai tapé un sanglier avec le Range Rover. Ce dernier foutu. J'ai une voiture de prêt. Tu peux aller la chercher dans le parking si tu veux. C'est la Skoda blanche avec la porte bleue.